Je vais pas dire bonsoir parce que là, on est en prévis ce soir et c'est finalement assez génial, même si on est peu nombreux déjà. Merci d'être là. On est un peu aussi en famille parce que tous les gens qui sont là vibrent autour de la Méditerranée. Cette exposition, elle a pour cœur depuis maintenant presque un an de présenter des artistes qui ont envie de parler de ce qu'ils ressentent, de la Méditerranée qui fantasme et de la Méditerranée qui les fait fantasmer. Et c'est vrai qu'on a tous exprimé des choses intéressantes à ce sujet. Donc cette conférence ce soir en présence de Salima va nous permettre finalement d'avancer aussi dans notre parcours. C'est vrai que... Alors là, je suis bien content parce qu'on arrive à Salima et c'est elle qui va parler de son travail. Ça parlait un tout petit peu sur le lien avec la Méditerranée parce que géographiquement, c'est en Méditerranée. Historiquement, c'est très ancien, c'est une ancestralité des plus vieilles et qui interroge notre monde moderne. Moi, j'ai adhéré par ces signes-là, par cette écriture-là millénaire, j'ai adhéré à ton projet pour deux raisons essentielles. D'abord parce que c'est une œuvre collective et moi, j'adore m'inscrire dans des œuvres collectives qui nous rappellent l'altérité, qui nous rappelle le vivre ensemble et qui nous rappelle combien nous sommes nécessaires les uns pour les autres. La deuxième raison, c'est que tu t'en doutes, ce monde-là ancien est fragile. Comme tous les mondes anciens, on les a vus d'ailleurs, depuis quelques mois on assiste à une barbarie qui a fragilisé davantage tous les mondes auxquels nous tenons et qui sont en réalité la mémoire de toute l'humanité. Donc évidemment, l'art comme réponse contre l'intégrisme, contre le dessèchement, contre le repli, contre la violence ou le projet de conflit, je pense qu'on doit être mobilisé par ce que nous pouvons. Et ce que nous pouvons, c'est ça. Alors ça n'a rien d'exceptionnel. C'est commis de façon absolument naïve, spontanée, aléatoire, mais en tout cas avec cœur. Voilà. Et Salima, donc ce sont des signes berbères, tu peux peut-être quand même... Oui, c'est l'alphabet, c'est l'alphabet berbère, c'est l'alphabet tifinagh, on l'appelle le tifinagh. Tifinagh pourquoi? Parce qu'il y a à peu près 6000 ans, dans ce désert, que vous connaissez peut-être, parce que magnifique, qui appelle au voyage et qui appelle à la visite, il s'est trouvé un homme qui était très amoureux d'une princesse et il avait envie de s'adresser à elle dans un langage codé pour que son message soit exceptionnel. Et donc il a inventé cet alphabet. En berbère, tifinagh, ça veut dire notre trouvaille, ma trouvaille. J'ai donc inventé, cet homme a inventé un langage, un code, qui est devenu donc l'alphabet des Touaregs, pour pouvoir s'adresser à la femme qu'il aime. Moi je m'attache à cette histoire parce que c'est la naissance de l'amour, c'est la naissance de l'espoir. Donc face à un monde qui est agressé, moi j'ai pris ce que j'ai trouvé de plus symbolique, de plus constructif, pour me poser, moi qui suis maintenant... adopté par cet Occident qui découvre d'autres mondes et puis d'autres univers, j'avais tout intérêt à me poser de temps en temps dessus. Et alors, me poser c'est très bien, mais le faire partager c'est encore mieux. Donc c'est ce que je fais à travers l'expo, ouais. À laquelle tu m'accueilles à bras ouverts et que j'apprécie évidemment. Alors, il y a plusieurs bassins de naissance de l'alphabet en fait. Il y en a presque même deux en Méditerranée, un du côté de la Syrie actuellement, et un dans une île grecque.
là, qui a été trouvé dans les années 40, je crois, qui a été déchiffré uniquement dans les années 50. Mmh. Et là, cet alphabet berbère, en fait, il se place comment dans le temps, en fait? Parce que tu dis que c'est un alphabet inventé par il est plus ancien. Il est plus ancien, d'ailleurs, ça se voit qu'il est plus ancien, parce qu'en fait, il est assez graphique. C'est quasiment les premiers traits que l'on a posés sur une paroi. Sur du sable. En réalité, les Touaregs continuent à écrire sur du sable. Voilà. C'est ce qu'il a conservé, d'ailleurs. C'est cette façon de refuser, j'allais dire, la modernité ou le confort. C'est ce qui a fait que ces hommes-là, d'ailleurs, de toutes les ethnies berbères, les Touaregs, c'est la seule ethnie qui a conservé cet alphabet. Les autres ethnies berbères, dispersées, d'ailleurs, dans les territoires de l'Afrique du Nord, ont adopté les écritures des pays que l'on connaît, c'est-à-dire pour la plupart le latin ou l'arabe. En Algérie, par exemple, au Maroc, en Tunisie, on écrit en arabe, on écrit en français. On écrit maintenant avec ça par résistance, par choix politique, comme moi je le fais là, pour dire que voilà, il a existé. Et aujourd'hui, faire ça, c'est un acte de résistance. Tout à fait. Alors, tu avais une résistance que tu ignorais. Des naufrages en Méditerranée, des morts en Méditerranée, c'est presque finalement une chose courante, quoi. C'est juste abominable. Et lorsqu'on parle de la Méditerranée, qu'on est européen, évidemment, on fantasme la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on imagine la Méditerranée au travers de ce que l'on en sait, de par l'histoire, de par la géographie, mais aussi de par ce qu'on en sait, de par les artistes. Et la littérature. Parce qu'elle a beaucoup parlé, la littérature européenne a beaucoup parlé de Méditerranée. Et elle a fantasmé d'ailleurs la Méditerranée, parce que les écrits des écrivains voyageurs, on pourrait les nommer comme ça, ont donné lieu à des descriptions, j'allais dire, très, très parfumées, très colorées. Il y a eu très peu de descriptions de la misère en Méditerranée. C'est un choix parce que ça... Je pense que ça confirme l'idée qu'on a envie de rêver, tu l'as dit tout à l'heure, on a envie de rêver ce territoire, parce qu'on est saisi par sa beauté, on est saisi par sa profondeur, et alors on souffre de le voir en proie à la misère, à la guerre, aux intégrismes. Aujourd'hui encore, ça se confirme. Sauf que, moi je suis de ceux qui appellent... sans altérer l'envie de le rendre artistique, de le rendre beau, de le rendre merveilleux, je suis aussi pour qu'il y ait un regard réaliste, parce que les sociétés humaines qui sont dans ce territoire souffrent énormément. Et donc aujourd'hui, redéployer les choses autrement, opter pour une politique plus équitable, plus soucieuse des équilibres, tous les équilibres, je pense que ça devient une nécessité et ça ne pose aucun souci pour les artistes, parce que la plupart des artistes qui sont issus de cette Méditerranée sont déjà sensibles à la question. Donc il faut diversifier les regards sur la Méditerranée. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis ces données géographiques, hein, tout simplement. C'est parce qu'en effet, quand on pense à la Méditerranée, on pense... c'est occidental, c'est-à-dire on va penser la Méditerranée de Gibraltar, à l'Italie. On va déjà un peu oublier le bassin oriental, et puis surtout, on a une tendance à oublier l'Afrique. Or, l'Afrique, en termes de surface, c'est les États-Unis cumulés à la Chine, à l'Inde, à l'Union européenne occidentale et orientale, et au Japon. C'est juste un territoire absolument immense. C'est un territoire qui est composé de 54 pays, qui représente 20% des terres émergées. Et bien sûr, ça contredit son histoire, puisque c'est là que furent élaborées les plus grandes civilisations. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis l'effondrement des civilisations? Pourquoi a-t-on du mal à construire une Méditerranée vivable, paisible, confortable? Pourquoi c'est un chantier? Moi, quand je pense à la Méditerranée, c'est un immense chantier qui ne finit pas de se faire, parce que tout le temps traversé par les conflits politiques, les conflits religieux. Et donc,
Moi, je pense que la question à laquelle on est le plus confronté aujourd'hui, c'est comment rendre ce territoire paisible. C'est pour moi un territoire très tourmenté. Et donc, le rapport que nous avons à la Méditerranée est un rapport quasiment à inventer, puisque celui qui est n'est pas du tout satisfaisant. Il nous interroge sur nos engagements, sur nos convictions, sur notre envie de partage avec les Méditerranéens, ceux qui sont notamment sur des rives moins favorisées et moins paisibles. Alors, que peut-on faire, nous, en tant qu'individus, dans la Méditerranée et envers ce territoire de mémoire et d'interrogation ? Alors, c'est un territoire qui est porteur de civilisation absolument fantastique. C'est un territoire qui fait fantasmer l'Europe du Nord parce que ce soit à partir du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, il n'y a pas de culture générale sans passer par la Grèce, sans passer par l'Italie, etc. Même si, bien sûr, il y a eu une période de domination, je dirais, par l'islam qui a aussi porté une civilisation très haut, hein, notamment. Alors, il y a apporté une civilisation très haut, la civilisation ottomane. Alors, c'est ça aussi. Oui, Alexandre fera la même chose. Mmh. Il y a eu. Voilà, le problème, c'est ça. C'est-à-dire que le moteur, c'est tragique, mais le moteur des civilisations, c'est aussi l'envie de dominer. Mmh. Alors, par moment, cette envie de dominer s'est faite évidemment d'une façon absolument violente. Mais elle a su engendrer une trace culturelle formidable. Ce qui m'interroge, si tu veux, c'est la guerre comme une constante de toutes les époques historiques. Peu importe les raisons de ces guerres, bon, souvent elles sont politiques, quelquefois elles ont été religieuses, mais toujours est-il qu'il y a à la base un projet politique. Alexandre. Moi, je l'ai, en lisant tout ce que j'ai essayé de rapporter pour aujourd'hui sur la Méditerranée, j'ai beaucoup pensé à lui. Parce que je trouve que c'est un personnage emblématique qui est un peu l'image ou le symbole de ce grand Méditerranéen qui a une soif mais inouïe de territoire méditerranéen et qui va déployer une énergie folle à occuper, à construire, à se projeter sur les territoires méditerranéens. Et aujourd'hui, on a encore les traces de ce... Tu parlais du phare d'Alexandrie. Mmh. Il est une trace absolument merveilleuse de cette occupation, de cette création de territoire. Alors, comment peut-on... encore une fois, je me pose comme interrogation, comment peut-on sauvegarder ce qui a été accompli? Comment peut-on protéger la mémoire de ce territoire? Et ramener un peu plus d'équilibre, de paix. Moi, je pense que qu'il s'est joué et qu'il se joue, et peut-être qu'il se jouera encore des tragédies dans ce territoire. Alors, c'est mal. Une épine dans le pied pour avancer. C'est sûr. Alors, je parlais de tragédie tout en pensant que moi, je ne crois pas du tout à une solution définitive. Je pense qu'à chaque époque, les Méditerranéens ont envisagé quelque chose. Alors, quelquefois, il y a eu des périodes, globalement, c'est vrai que c'est un territoire de guerre, mais il y a eu des périodes, tu citais à l'instant l'Andalousie, il y a eu des petites périodes où on a pu vivre ensemble, tout en étant extrêmement différents, extrêmement éloignés les uns des autres. Alors, ces époques, ces petites périodes sont rares, et c'est vrai je pense qu'on n'a pas fini de les interroger, et que peut-être la leçon, si elle est une leçon à trouver, elle est dans cette capacité à que nous pourrions avoir tous ensemble à repenser l'espace. À repenser le lien que nous pouvons partager. Moi, je suis très attachée à l'idée de forger un avenir ensemble. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est poussé par des actualités extrêmement dramatiques
qui ne nous laisse pas le temps de nous poser et d'envisager cette construction paisiblement. Donc on est en train de gérer depuis des années, depuis des décennies même, on est en train de gérer des actualités de façon urgente et je ne crois pas qu'on ait eu le temps, assez de temps en tout cas, pour se projeter dans l'avenir et dire de quoi avons-nous besoin les uns des autres, qu'est-ce qui pourrait faire notre territoire commun et dans lequel on pourrait être heureux sans trop se faire la guerre, sans trop... Alors c'est amusant quand tu parles de territoire commun, ça me fait penser à Marie Nostrum en fait. Oui, et donc ça me fait. Oui, le fondateur. Oui, et c'est vrai que ça me fait penser beaucoup à l'Italie aujourd'hui qui avait aussi donné ce, qui a donné ce nom à son programme de sauvetage en Méditerranée. Et ils ont bien fait de donner ce nom-là parce qu'en fait c'est une période assez glorieuse de la Méditerranée où en fait les religions monothéistes ne sont pas présentes, hein, puisque c'est, on va dire. 500, 600 ans à peu près avant, avant l'ère chrétienne, et c'est, on va dire, l'islam qui apparaît 600, 700 ans après. Donc on est dans une période, en fait, qui est dans une période de polythéisme, voire même d'animisme. Et en fait, on s'aperçoit que ça se passe mieux, que par exemple, que dans un territoire comme celui de Marseille, on a des Grecs qui débarquent, qui s'installent sur une colline, qui font leur temple, et puis qui finalement s'entendent très bien avec les Celtes. Globalement, tout ça échange, et puis c'est pas trop violent, et puis finalement, ça devient des comptoirs. Et la tradition était, à ce moment-là, en fait, les gens, la diversité des cultes était telle que, en fait, ils s'interrogeaient sur leur culte, ils partageaient dans la diversité. Alors ça, Alexandre l'a fait. L'invasion d'Alexandre en Égypte, elle a eu exactement cet effet-là. C'est-à-dire qu'ils ont continué, les Grecs avaient continué à pratiquer leur culte, et ils avaient trouvé en Égypte des cultes différents, et tout cela, ça a été vécu de façon tout à fait tolérable et tolérante pour les uns et pour les autres. C'est cette capacité-là, peut-être, que nous avons perdue. Et alors, tu fais bien d'aller vers cette question des monothéismes, parce qu'il me semble, à moi aussi, que les intégrismes sont plus présents sur des religions monothéistes que sur des religions polythéistes. L'idée d'unifier, déjà, l'idée de rendre unique quelque chose, moi j'avais noté quelques petites choses à vous dire, pour ne pas être très dispersé, parce que je me suis dit, la Méditerranée, l'écueil du sujet, c'est que souvent on se disperse. Et qu'on... Alors moi j'avais des choses essentielles à vous dire. Et je les avais notées pour ne pas les oublier. Et donc, en fait, cette histoire de monothéisme, moi, tu le sais, me fait réfléchir beaucoup. Les intégrismes sont un de mes sujets de réflexion depuis des années, depuis 20 ans. Et moi qui viens, je viens de la culture kabyle, qui est une culture orale, et comme toutes les cultures orales, elle est riche de la symbolique religieuse très ancienne, traversée par toute forme de religion. Et ce que je garde comme religion paisible, comme repère de religion paisible, c'est justement le polythéisme. On a encore en Kabylie le culte de certaines déesses, et notamment la déesse de la pluie, et vous ne pouvez pas savoir la joie que cela procure quand des gens qui attendent la pluie et qui pour eux est nécessaire, se fait désirer, eh bien il se jette à corps perdu dans une croyance qui ne fait même plus partie officiellement de leur vie, puisque ces populations kabyles sont désormais quasiment musulmanes. Donc moi je pense que se rappeler, c'est pourquoi il est important toujours de revenir à cette mémoire de la Méditerranée, se rappeler combien nous avons été différents, combien nous avons pratiqué des choses différentes, c'est aussi une réponse contre les intégrismes. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que réellement, la religion, on ne va pas nier l'importance de la chose économique, mais parallèlement à cette violence économique, il y a la violence de la religion. Elle est un véritable obstacle aux retrouvailles des Méditerranéens. Et je pense que tant qu'on n'a pas réussi à domestiquer cet univers-là de divergence,
et de conflits, du coup, ben, je pense qu'on aura un peu de mal à se projeter dans un territoire commun. Donc, pour le coup, c'est, ce que tu as dit sur les monothélismes, je le partage. Je pense que c'est un écueil beaucoup plus qu'une évolution. Je voulais aller. De la chose morale, du savoir, de la philosophie, la philosophie a été élaborée dans ces territoires-là. Elle a été construite. Donc l'art de se réfléchir, l'art de s'interroger, l'art de se construire, une liberté de se construire. L'idée des droits de l'homme même que nous avons, que nous aimons en tout cas défendre en territoire occidental, est venue par là. Je pense qu'on n'a pas fini d'explorer. On n'a pas fini d'abord de reconnaître aux Méditerranéens tout le génie dont ils ont été capables. Et en même temps, la situation économique, la situation géopolitique du Méditerranéen aujourd'hui fait très peur en Occident. Alors, d'abord, je réagis au mot migrant. Le mot migrant laisse supposer qu'il y aurait un choix. Je migre, je suis consciente que j'ai un danger à gérer, donc je tente, etc., d'améliorer mon sort et peut-être que j'arrive à cette solution où je paye quelqu'un pour pouvoir arriver quelque part. Bon, je pense que les personnes que nous perdons, les personnes qui meurent dans la Méditerranée aujourd'hui, dans ce scandaleux commerce d'êtres humains et de la misère humaine, je pense que c'est quelque chose qui est une honte absolue pour les pays de l'Europe et pour les pays qui ont la capacité d'avoir des relations économiques d'équilibre, d'équité et qui ne le font pas. Et c'est une honte pour la philosophie occidentale du droit humain. Donc, moi je suis tiraillée parce que, comme tu le dis si bien, il y a 20 ans, j'ai fui aussi l'intégrisme islamiste qui a fait des milliers de morts en Algérie et qui a malheureusement fait déplacer lui aussi, à ce moment-là, des centaines de gens qui n'avaient strictement aucun projet de partir d'Algérie. Moi, j'ai quitté un travail, j'étais dans la presse, j'étais établie, mon couple de l'époque s'est brisé, donc je ne te dis pas les implications, les conséquences absolument désastreuses d'un départ inattendu que tu dois gérer comme ça du jour au lendemain. Et j'ai eu, comme je le disais, une chance formidable d'avoir des amis qui m'ont organisé certaines choses, qui m'ont facilité certaines choses. Mais les gens que nous évoquons aujourd'hui n'ont absolument pas cette chance-là. Ce sont des gens qui sont absolument livrés à une inquiétude terrible, et elle est tellement terrible qu'ils préfèrent prendre le risque de mourir, de tout laisser derrière, que de raisonner cette peur, ou de construire quelque chose avec cette peur. Donc je me sentirais très gênée de comparer mon cas avec cela. Je me sentirais vraiment gênée. Et moi, je disais tout à l'heure que je suis tiraillée parce qu'en fait, je connais assez bien les rives africaines de la Méditerranée. Je connais leur richesse, leur espérance et leur désespérance. Je connais trop bien les systèmes de dictature qui règnent depuis longtemps, à mon avis et à mon goût, depuis trop longtemps sur ces pays-là. Alors, c'est eux qui fabriquent cette misère. Il faut aussi nommer les responsabilités, il faut les désigner. Après avoir dit que l'Europe n'était pas dans un rapport équitable, un rapport économique équitable, un rapport humain équitable, moi je désigne ces dictatures comme étant d'abord le premier responsable de cette misère, de cette injustice, de ces crimes. Pour ne parler que de l'Algérie, l'Algérie agite le chiffon rouge de l'intégrisme à chaque fois que le peuple est presque en train de réaliser sa démocratie. Donc c'est un peu trop facile de dire que l'Europe est fautive, que etc. En Tunisie, vous l'avez vu récemment, on a presque cru
que le peuple tunisien avait réalisé sa démocratie. On voit chaque jour quand même qu'elle est un petit peu compromise. Bon, moi je crois en les peuples, je crois en leur capacité de forger leur destin. Mais c'est très long, c'est très très long. L'histoire des peuples, elle est très longue et elle ne peut pas répondre, si vous voulez, à notre impatience quand nous voyons, parce qu'aujourd'hui nous pouvons le voir, ces tragédies qui se jouent en Méditerranée, nous les voyons. Nous assistons quasiment au fait qu'elles se déroulent. Donc c'est vrai que moi je suis horrifiée tous les jours, comme vous sans doute, de ce que je vois et de ce que j'entends et de ce que je lis. Mais pour moi, la solution, elle est évidente. Il faudrait, d'une, d'arrêter de cautionner les dictatures qui agissent et qui mettent ces peuples, qui prennent ces peuples en otage. De deux, repenser le rapport avec la Méditerranée. Avoir un rapport plus équitable. Moi, ça, je pense que c'est la clé. Donc, tu parles de rapport nord-sud. Tout à fait, tout à fait. L'équilibre et surtout un rapport économique qui peut être digne de cela, parce qu'on a été aussi très souvent, surtout vis-à-vis des anciennes colonies, on a été un peu odieux. On n'a pas favorisé l'émancipation des êtres, on n'a pas favorisé l'équité dans les rapports économiques. On a trop souvent pensé que ces régions-là perduraient comme étant des réservoirs, comme autant de colonisation. Ça, c'est à bannir, évidemment. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, c'est incompatible avec l'idée des droits de l'homme. Donc, moi, je pense qu'il y a deux choses essentielles. D'abord, encourager et favoriser l'émergence des vraies démocraties en ces pays. Parce que, je vais vous dire, moi, il y a 20 ans, la France, pour moi, était un territoire de vacances. Je ne l'avais pas du tout imaginé comme un territoire de vie. Quand les gens sont heureux dans leur territoire, ils ne pensent pas à émigrer. Il n'y a aucune raison. Qui peut, du jour au lendemain, sans raison grave, décider de partir de chez lui? Imaginez-vous, vous qui êtes né à Marseille, vous vous levez demain avec l'idée de partir. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose de très très sérieux pour arriver à une décision comme celle-là. Ben oui, de tout jouer, parce que... Moi, je peux vous citer, je commençais à construire ma maison, j'étais très épanouie dans mon métier, j'ai eu la chance de travailler avec des gens formidables, des personnes engagées politiquement pour une Algérie démocratique, pour une Algérie d'égalité, de laïcité. Et puis, du jour au lendemain, ces gens se font tuer et je n'avais pas d'autre possibilité que de partir. Donc, évidemment... c'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'émotion que je pense à ces gens-là, parce que ce sont des victimes. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous responsables, d'une manière ou d'une autre, dans ce qui se joue. Alors je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, parce que nous ne pouvons pas les sauver. Mais si nous voulons... que les choses un jour s'arrangent, il faut que nous soyons aussi sur des rapports justes. Voilà. Il faut que nous ayons des regards justes sur les choses. Il faut que nous soyons engagés dans ce que nous faisons, dans ce que nous voulons pour cette Méditerranée. Ça, donc, je passe un peu sur les détails de chiffres, puisque, bon, je ne le rappelle pas, tu l'as assez bien dit. Mais ce que j'ai vu ces dernières semaines, ce que j'ai ressenti, c'est que cette Méditerranée a ressemblé ces derniers jours à un cimetière. Donc ça, évidemment, ça m'a horrifiée. Et je me refuse, moi, de croire que cette réalité est une fatalité. À l'instant même où on est là, on partage ce moment d'indignation, je crois profondément qu'on peut changer le cours des choses. La Méditerranée, pour les poètes et les artistes, elle est une frontière de beauté, d'immensité, d'ancestralité, de fondation à forger et à partager. Pour les historiens, elle a été le berceau des plus prestigieuses civilisations, mais aussi le creuset des conflits et des guerres. Et pour moi qui aime éperdument la Méditerranée, elle est une zone de croisement, de brassage, mais de fracture aussi.
Elle a le visage de ses porcs, inconsolable le soir de défaite, et elle a le parfum d'abondants champs d'olivier. Elle a la couleur de ses maisons blanches et bleues, et la vigueur de ses femmes rebelles, de ses ciels imprévisibles. Beaucoup l'imaginent unifiée, tandis qu'elle se veut exceptionnelle. Certains veulent l'enfermer dans une seule frontière. Elle s'impose multiple et indomptable. Je pense à ces auteurs qui ont effleuré de leur regard cette grande bleue impondérable. L'Américain Scott Fitzgerald qui a dit « Dès que vous posez les yeux sur la Méditerranée, vous savez pourquoi ce fut ici qu'un homme se mit debout pour la première fois et tendit les bras vers le soleil. » Guy de Maupassant qui a écrit, dont je relève une toute petite phrase, « Cette brume de la mer qui me caressait comme un bonheur. » Et puis Camus, qui a dit, qui a beaucoup parlé de la Méditerranée, parce que Camus a célébré Alger. Alger est l'un des joyaux de la Méditerranée. Alors, justement, il a suivi le fil d'Ariane sur les traces du Minotaure pour évoquer Oran, où il s'est joué cette grande tragédie de l'étranger, hein, qui pose un problème philosophique, un problème existentiel, qu'on n'a pas fini de résoudre. Hein. Il revisite le mythe de Prométhée, la lumière de la violence moderne, ou qu'il rêve à la beauté d'Hélène de la Grèce, Albert Camus nous a entraînés tout autour de la Méditerranée et de ses légendes. Parmi ces textes lyriques et passionnés, on retrouve la trace du voyage de l'Algérie à la Grèce en passant par la Provence. À relire donc, c'est un livre que j'adore, que je vous propose, « Les noces suivies de l'été ». Et puis, j'ai gardé aussi, j'aime bien cette phrase prononcée lorsqu'il a eu le prix Nobel de littérature en 1957, lorsqu'il a dit « Mais parler de tous et à tous, il faut parler de ce que nous, que tous connaissent et de la réalité que nous, qui nous est connue, qui nous est commune, la mer, les pluies, le besoin, le désir de lutte contre la mort, voilà ce qui nous réunit tous. » Alors comment conclure donc? De même que le soleil méditerranéen est le même pour tous les hommes, l'effort de l'intelligence humaine doit être un patrimoine commun et non une source de conflits et de meurtres. Une nouvelle culture méditerranéenne conciliable avec notre idéal social et humain est réalisable. Donc, une autre Méditerranée est possible. C'est à nous, tous ensemble, de la réaliser. Nous tous sommes concernés et nous tous sommes responsables. Voilà. Bien.